Je suis très heureux d'être à Troyes. J'ai vraiment été très bien accueilli, que ce soit par les joueurs et par le staff et par tous les dirigeants, les administratifs du club. Franchement, je suis très très heureux. Et voilà, petit à petit, je me rapproche de chez moi. Donc, c'est bien, je suis content. Ça s'est fait relativement rapidement. Il y a eu une prise de contact avec les dirigeants du club, avec mon agent et ensuite avec moi. Et voilà, ça s'est fait rapidement et correctement. Et je suis très heureux d'être ici. J'avais besoin de retrouver du plaisir, retrouver du temps de jeu. Et à Lorient, c'était plus trop le cas. Après, ça fait partie du football et c'est comme ça, je dois l'accepter. Et voilà, j'avais besoin de retrouver le sourire, retrouver du football. Et voilà pourquoi le choix de Troyes. C'est sûr que quand on est en Ligue 1, on a envie d'y rester, c'est clair. Et comme je l'avais dit aux dirigeants du club et au coach, voilà, moi aujourd'hui, si j'avais l'intention de revenir en Ligue 2, le choix avait été Troyes déjà dans mon esprit, parce que j'ai regardé beaucoup jouer, j'aimais beaucoup ce que l'équipe proposait. Donc voilà, bon, j'avais envie, si j'avais, et du coup c'est le cas, mais si je voulais redescendre en Ligue 2, c'était à Troyes. Bah, il n'a jamais disparu, ce Bozok-là, il existe toujours. C'est juste que voilà, il fallait que je retrouve un peu de rythme parce que ça fait un petit moment que je jouais pas, et avec le Covid, etc., ça m'a pas forcément aidé. Donc le Bozok de Nîmes existe toujours. C'est juste que voilà, il faut qu'il renaît de ses cendres, on va dire. Donc non, mais je suis très content, vraiment très très heureux d'être ici. Je retrouve le sourire, je l'avais plus trop ces derniers temps, mais je suis très heureux, vraiment. J'ai beaucoup joué contre Yo, je le connaissais déjà personnellement et je suis très heureux d'être avec lui. Franchement, voilà, je pouvais pas rêver mieux comme vous dites concurrent, mais moi on appelle ça un coéquipier chez nous. Donc c'est mon coéquipier et on va se tirer vers le haut tous les deux et on s'entend super bien et c'est très bien. Ouais, il y a un très beau challenge. Après, voilà, ça sera pas facile, mais en tout cas on se donne les moyens pour. Que ça soit, voilà, que ça soit sur ou en dehors du terrain, on est très concernés. Et c'est un long marathon, la Ligue 2, on connaît. Donc j'espère, pourquoi pas, une troisième apothéose pour moi en fin de saison. L'image que donne le club sur le terrain, bah, c'est clairement ce qu'elle est aujourd'hui dans la vie quotidienne et dans le groupe. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de venir à Troyes. Parce que voilà, ce que dégage l'équipe sur le terrain, c'était un très gros collectif avec des mecs qui se battent les uns pour les autres. Et voilà, une très belle entente. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, j'en étais sûr de le trouver à Troyes et je l'ai trouvé. Comme vous l'avez vu, on a eu une blessure de Souk qui nous a contraints à prendre un attaquant. Ça nous était arrivé l'année dernière avec Yo, et donc je voulais plus me retrouver dans une situation identique. Et donc, ben voilà, on avait pris la décision par rapport à Oumout. Ça s'est fait relativement rapidement, notamment aussi par rapport au style de jeu que l'on avait. On avait besoin d'un joueur de surface, on avait besoin d'un joueur qui avait la capacité aussi de jouer entre les lignes. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. On pouvait pas chambouler tout non plus. Et aujourd'hui, pour moi, ça a été relativement naturel et assez rapide de dire au club, il faut prendre ces deux joueurs.